Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai 2020. Est-ce que le cuivre est mort? Et je vais tenter de répondre à cette question. Non, le cuivre n'est pas mort. Je vous montrerai après vous avoir présenté mon livre que j'ai écrit il y a quelques années, que j'ai refait paraître sur Amazon. Je vous montrerai après qu'il y a énormément d'offres d'emploi encore dans le cuivre. Ça a au moins encore 3, 4, voire 5 ans d'années devant lui. Et pourquoi? Si vous souhaitez rentrer dans les télécoms, il est important de pouvoir rentrer par n'importe quel biais, notamment le cuivre. Vous voyez ce qui est en train de se passer, il y aura beaucoup de licenciements. Par contre, le cuivre et la fibre, eux, vont continuer à exister. Il y aura toujours des gens abonnés à Internet, il faudra toujours faire de la maintenance sur les réseaux. Moi, je n'ai pas eu vraiment de confinement avec mon travail. Un petit peu pendant une semaine, une fois qu'on a bien adapté les choses, on a continué à faire le travail quasi normalement, on va dire. Mais ça existera toujours, le cuivre. Encore quelques années. La fibre, les télécommunications, les réseaux existeront toujours. Et donc, c'est un métier dans lequel il y a peu de chances que vous soyez licencié. Pourquoi rentrer en cuivre? Bah, si vous n'avez pas la possibilité de faire autrement, d'abord rentrer en cuivre, vous allez mettre les pieds dans le télécom. Et une fois que vous allez avoir les pieds dans le télécom, il vous sera beaucoup plus facile de pouvoir vous orienter vers la fibre ou d'autres corps de métier dans le télécom. Donc, ce livre. Quand je l'ai écrit, j'avais 8 ans d'expérience dans le domaine. Aujourd'hui, j'en ai 11. Je ne travaille plus dans ce domaine. Hein. Mais à l'heure où j'ai terminé ma dernière mission dans ce travail-là, j'avais 11 ans d'expérience. Ce livre est décomposé en plusieurs parties. Donc là, je suis sur Amazon, je suis dans la partie feuilletée. Donc il y a le sommaire, je vais parler de sécurité, psychologie du technicien, comprendre une installation téléphonique, simplifier l'installation téléphonique. Vous voyez, tout est bien écrit. L'art de diagnostiquer les causes des problèmes, autres informations, autres conseils et ma conclusion. Donc si on regarde après, donc petite présentation, donc là je m'appelle Mickaël, j'ai 8 ans d'expérience, mais en réalité j'en ai 11 maintenant, etc. Pourquoi ce livre? Pourquoi se former? La sécurité, j'explique un peu la sécurité dans le travail, etc. etc. Donc ce livre, il est sur Amazon, je mettrai la description en bas. Et je vous montre tout de suite qu'il existe encore. Donc, je suis sur Indeed, des emplois dans le télécom en cuivre. Donc, Indeed. Donc, là, c'est sur la fibre optique. Donc, ça ne nous concerne pas. Technicien télécom. Donc, ça, c'est pareil. C'est pour la fibre optique. Voilà. Technicien de maintenance réseau cuivre. Là, c'est formateur, coordinateur télécom, technicien télécom cuivre et fibre. Technicien boucle locale cuivre. Technicien télécom cuivre. Technicien fibre optique et cuivre. Technicien réseau et télécom spécialisé dans le cuivre, etc. Encore ici. Donc vous voyez quand il y a encore énormément, énormément de recherches, enfin d'offres d'emploi dans ce domaine-là. Et grâce à mon livre broché, grâce à ce livre-là, vous allez prendre une grosse, grosse avance sur vos concurrents, entre guillemets, lorsque vous allez vous présenter devant les recruteurs. Donc je vous invite vraiment à regarder ce livre-là, à en faire l'acquisition, voire à l'offrir. Ça vous permettra en fait d'avoir une meilleure chance d'être embauché lorsque vous allez passer devant un recruteur. Et une fois que vous allez avoir les pieds dans le télécom, vous allez pouvoir vous orienter dans le télécom un peu dans n'importe quelle branche. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, le lien de mon livre dans la description en dessous. Et je vous dis à bientôt. Salut!